Salut tout le monde, et bien c'est Diabolac. Et donc là je pense que vous vous apprêtez à regarder ma vidéo sur les proxys et les VPN. Et donc bah avant que vous la commenciez, je voulais juste m'excuser pour toutes les coupures qui ont été faites. Donc des coupures que je me suis rendu compte qui sont plutôt visibles à certains moments. Donc voilà, je m'excuse, j'ai beaucoup été sollicité pendant ce tuto, et donc je m'excuse pour toutes ces coupures. Voilà, regardez la vidéo confortablement, et yop tout le monde, c'est Diabolac. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va être assez spéciale, car aujourd'hui je ne fais pas un tuto, mais une grande présentation de proxy, donc avec leurs liens qui seront dans la description. Et donc, bah, quand je dis grande présentation de proxy, c'est une grande présentation de proxy. Donc, vous aurez pas moins de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, il y aura 11 proxy VPN et moteurs de recherche mélangés à vous présenter. Donc je vais essayer d'aller vite et de pas trop m'attarder sur chacun des sujets. Donc on va commencer tout de suite en se posant la question, qu'est-ce qu'un proxy? Qu'est-ce qu'un VPN? Qu'est-ce que... C'est tout. Ouais, c'est tout. Ouais. Donc c'est tout. Donc qu'est-ce qu'un proxy? Donc ben, un proxy c'est tout simplement un serveur de redirection. Donc tout le monde en a un de proxy, mais quand je vous parle de proxy dans cette vidéo, c'est que vous aurez un proxy en plus, car le proxy que vous utilisez à ce moment-là peut à tout moment, admettons si vous avez fait quelque chose de grave sur Internet et que la police vous, enfin la police peut très bien demander à votre proxy votre adresse IP, à quelle heure vous avez fait ça, etc. Le proxy va tout balancer. Donc en gros, vous l'aurez compris, c'est des grosses balances. Donc moi, quand je parle de proxy dans cette vidéo, ce sont des proxys qui ne balancent pas. Donc des proxys qui permettent, qui ne sont même pas en France, qui permettent d'être redirigés sur Internet, sur d'autres adresses IP, etc. Donc là, je vous explique vaguement. C'est plus compliqué que ça. Mais voilà, oui, voilà pour les proxys. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'un VPN? Eh bah, ben, un VPN, c'est en quelque sorte un tunnel. Donc, oula, j'allais oublier le plus important. Qu'est-ce que veut dire VPN? Donc, VPN veut dire en anglais Virtual Private Network. Et donc, en français, ça veut dire réseau privé virtuel. En gros, c'est comme j'étais en train de dire, c'est un tunnel qui est en général chiffré et donc qui fait que, en gros, on va prendre un exemple simple. Admettons que vous travaillez, allez, chez Bouygues. Donc, vous travaillez chez Bouygues et vous avez besoin du réseau interne de votre société. Pour faire votre travail. Sauf que vous voulez travailler de chez vous. Et donc à ce moment-là, vous allez utiliser un VPN. Donc c'est un tunnel chiffré. Qui va vous emmener dans le réseau local de votre entreprise. En gros, vous n'êtes aperçu par aucun proxy. Et donc bah, ce qui est pas mal avec le VPN, c'est que... En gros, vous ne faites pas de chez vous à l'extérieur, vous faites de votre réseau local à votre réseau local. Donc, je sais pas si vous avez bien compris, je suis un peu vague. Bah, un VPN, là voilà, il y a une image qui s'affiche. Donc, c'est un schéma de VPN. Donc, voilà ce qu'est un VPN. Et donc, on va commencer tout de suite. Donc, rentrons directement dans le vif du sujet. Hide my ass, donc cache ton cul en gros. Ce qui est pas très élégant.
Bref, c'est pas bien grave. Admin as en tant que site, c'est un proxy donc qui peut forcer le SSL. Le SSL, c'est quoi? Je vous explique. Ouh là là. Je vous explique vaguement ce que c'est. Le SSL, c'est admettons que vous êtes connecté au McDo. Et donc, il y a des petits voyous qui vont. Des petits voyous. Comment je parle? Il y a des petits voyous qui vont récupérer vos cookies. Et donc, qui auront besoin de les décrypter à cause du SSL. Avec, vous pouvez forcer le SSL. Vous pouvez désactiver le JavaScript, le Flash, etc. Je vous laisse vous renseigner. Et donc voilà pour Admin As en site. Si je vous disais voilà pour Admin As en site, c'est parce qu'il existe aussi en module complémentaire, en extension. Il existe en extension sur Google Chrome et donc sur Firefox. Si vous marquez Firefox extension Hide My Ass, vous le trouverez. Si vous tapez Google Chrome extension Hide My Ass, vous le trouverez aussi. Je trouve que c'est vraiment une bonne extension comme un bon site. Donc moi, je vous le conseille vivement. On passe Soft Ether, je sais pas comment ça se prononce. C'est développé non pas par des pros, mais on va plutôt dire des particuliers particulièrement doués, qui ont fait un très bon VPN, Soft Ether ou Soft, bref, je sais pas. Qui existe en version anglaise, japonaise et en chinois simplifié. Allez savoir ce que c'est. En gros, je sais pas, ça doit être du chinois avec des mots en moins. Moi personnellement, je vous le conseille en anglais. C'est ce qu'il y a de mieux. L'inconvénient de ce VPN, c'est que il n'y a pas de version française. C'est un gros inconvénient. Ce VPN, oui, si on peut appeler ça vraiment un VPN, est gratuit. Contrairement à énormément de VPN à part Freedom-IP. Freedom-IP, je vous trouverai un lien, je vous le mettrai dans la description. Soft Ether. Elle a été développée par l'université de Tsukuba au Japon, qui propose un réseau de relais chiffrés auquel chacun peut se connecter ou participer à l'agrandissement. Si vous comprenez pas bien la dernière phrase, de toute façon je vous ferai sûrement un tuto dessus. Vous pouvez être un relais de Soft Ether. Je trouve que Soft Ether, c'est un peu comme Tor. Pour ceux qui sont renseignés dessus, c'est un peu comme Tor. Sauf que il n'a pas son réseau à lui. Pour Tor, le Deep Web en gros. Soft Ether, lui, est chiffré de base que Tor. Vous pouvez le déchiffrer. Enfin bref, c'est un peu compliqué Tor. Je vous en reparlerai par la suite. On va passer à Steally, Steal qui veut dire voleur, non, voler. Je vois pas ce que voler fait ici. Steally, en gros, c'est pour être furtif sur le net. On pourrait se poser la question, pourquoi passer par un VPN si vous ne téléchargez rien? Ou que vous vous connectez jamais à des hotspots non sécurisés. Steally est un proxy permettant de masquer votre IP lorsque vous surfez. Malheureusement, il est
il est en général compliqué à mettre en place quand on est débutant. Donc moi je le conseille plus aux intermédiaires et aux avancés qu'aux débutants. Donc proxy switcher, comme son nom l'indique, c'est un proxy. Un proxy très 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 connu. Donc regardez cette image, je pense que beaucoup d'entre vous vont le reconnaître. Donc c'est proxy switcher, c'est un logiciel qui propose pas mal de proxy à utiliser qui fait que vous êtes géocalisé dans un autre pays que le vôtre. Donc vous pouvez choisir États-Unis. Donc proxy switcher, je l'ai utilisé longtemps, longtemps, longtemps. Malheureusement, il est limité à 15 jours d'essai. Voilà, après, faut trouver pour le craquer et ou alors tout simplement l'acheter. Donc c'est ce qu'il y a de plus simple et de moins illégal, quoi. Ce qui est bien avec, c'est que contrairement à beaucoup beaucoup de proxy et de VPN, je sais pas trop parce que j'en utilise pas beaucoup, mais contrairement à beaucoup de proxy, proxy switcher est très rapide. Donc vous verrez que si vous utilisez, oula, si vous utilisez un proxy, votre vitesse de connexion va être très largement va très largement baisser. Donc ce qui n'est pas le cas avec proxy switcher. Qui est donc, je trouve, un très bon VPN. Voilà, donc on passe à Spotflux. Donc, oula, j'en suis déjà à 11 minutes. Donc, je pense que ça me fera quand même un long tuto. J'en suis à peu près à la moitié. J'avais dit combien au début? J'avais dit, je sais pas. 6e. 6e. Ouais, on est à peu près au milieu. Donc voilà, je vais essayer de ne pas m'attarder et de rester d'aller le plus vite possible. Donc Spotflux, c'est un VPN donc qui est vraiment, je trouve, bien avec des services annexes comme un antivirus. Ou la suppression de la publicité ciblée. Donc, ce qui fait de lui un très bon VPN. Moi, je l'avais lancé dès que je commençais vraiment. Moi, je le conseille pas aux débutants, car c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Donc, utilisez-le quand vous êtes un débutant, mais que vous avez un petit peu quand même découvert le monde du hacking, quoi. Car c'est pas le plus simple comme je viens de le dire. Crisp PC, donc c'est des développeurs qui, je pense, ne sont pas professionnels. Oui, je pense, car ils ont fait des logiciels de téléchargement YouTube, voilà. Donc en général les professionnels ne font pas ce genre de choses. Ils font, j'ai l'impression, de très bons programmes. Je n'ai ja enfin, j'ai jamais testé leur proxy. Donc moi je vous ai présenté Crisp PC pour Free Anonymous Proxy. Vous avez aussi Anonymous Proxy Pro. Donc en gros c'est le même mais en pro. Donc je pense qu'il doit y avoir plus de fonctionnalités. Qui doit être quand même pas mal. Donc en général hein, comme pas mal de proxy. Franchement moi les proxy et moi ça fait un. Je suis fan des proxy. Voilà. Et donc là, attention les amis, on passe à Tor. Donc je l'ai pas gardé pour la fin. Mais Tor est vraiment à mes yeux le meilleur. Qui a son, enfin c'est un, donc c'est ce qui est appelé un routage en oignon. Il y a beaucoup excusez-moi, de schémas sur le web et donc là il y a mon schéma que j'ai fait avec Illustrator qui est en train de s'afficher. Donc voilà comment ça marche.
C'est un petit peu plus complexe que ça, mais bon. Donc, Tor, il est utilisé dans le monde entier pour sécuriser les accès à Internet. Il a aussi son Internet à lui. Donc, si on peut appeler ça un Internet, puisque c'est le Darknet ou le Deep Web, ça dépend comment vous l'appelez et comment vous le définissez aussi. Tor, qui est vraiment très très bien, il est proposé sur Android, sur Linux, sur Mac, sur Windows. Donc très 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 complet. Et donc bah là récemment, je suis en train de regarder ma petite fiche que je me suis faite, qui représente autant de VPN, c'est un peu compliqué à tout retenir. Et donc bah là je suis en train de revoir que depuis peu, avant, il était possible au gouvernement un peu trop curieux de bloquer les adresses IP des nœuds Tor publics. Donc, en gros, Tor, ça marche avec des nœuds, donc avec des PC qui se proposent pour le réseau Tor. Et donc, apparemment, excusez-moi, apparemment, avant, pour les gouvernements de certains pays, il était possible de bloquer certaines adresses IP de nœuds Tor, donc ce qui est apparemment plus possible. Donc voilà. Et donc cette nouvelle fonction, c'est le protocole obfuscation. Donc moi franchement je trouve ça pas mal. Surtout si vous faites vraiment des trucs illégaux avec Tor. Franchement, Tor pour moi c'est un des meilleurs. Et donc là on passe au seul navigateur de recherche que je vous montre dans cette vidéo. Donc DuckDuckGo. Il est plus joli avec des lunettes hein, leur canard. Contrairement à Google, pour ceux qui se doutent de rien, qui sont un peu naïfs, Google connaît tout de votre vie. Donc si pour ceux qui ne le savaient pas, si vous disiez à un ami cherche sur Google Krakenak, admettons voilà, on va pas forcément, il va pas forcément avoir les mêmes résultats que vous, puisque Google prend toutes vos recherches ensemble et établit vos recherches grâce à vos précédentes recherches. Donc ça c'est un peu compliqué. Mais en gros, Google connaît toute votre vie. Et donc, oui, il connaît toute votre vie. Donc, DuckDuckGo, qui a à peu près les mêmes résultats que Google, donc Crack and Hack, ça m'étonnerait qu'on me trouve dans les premiers. Ouais, voilà. Ah bah si, quand même, hein. Avec DuckDuckGo, on arrive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 7 ou 8, je sais pas, j'ai mal compté. Donc on arrive dans les 8 premiers résultats. Ce qui est quand même vraiment pas mal. Voilà. Vous voyez, vous trouvez à peu près les mêmes résultats que Google. Sauf que DuckDuckGo ne retient rien de vous. Donc maintenant, on va passer à Surf Anonymous Free. Excusez-moi pour cette petite coupure, j'ai dû être coupé pendant bien une demi-heure. Bref, vous pouvez voir que Surf Anonymous Free vous dit votre IP, donc il vous dit IP address et il vous l'a dit. Il vous dit votre localisation, donc moi il me localise à Paris en France. De toute façon, la localisation par IP, c'est jamais ça. Voilà. Et donc, en dessous, là, il vous dit download now to hide IP for free. En gros, téléchargez maintenant pour cacher votre IP pour gratuitement. S'il vous affiche votre adresse IP, oh, excusez-moi, s'il vous affiche votre adresse IP, c'est je pense pour vous inciter à le télécharger.
Jamais testé par moi, donc je saurais pas vous dire sa qualité. Je sais que la personne qui l'utilisait l'utilisait pour regarder des émissions qui sortaient aux États-Unis le jour même ou la veille pour voir les regarder, même si c'est en anglais en France le lendemain ou tout de suite quoi. Donc je pense qu'il doit être bon comme enfin comme presque tous les proxys. Donc bah après ça c'est à voir et donc voilà. Donc on va passer à un VPN sur Android. Donc VPN on click. Donc il y en a sûrement pas mal qui le connaissent. Donc c'est un VPN avec vous pouvez même passer par un proxy. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal. Vous pouvez utiliser la connexion aléatoire. Vous pouvez vous connecter en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Espagne, en France, en Autriche, en Amérique, au Canada, un petit peu de partout dans le monde. Donc j'estime que ce VPN est vraiment bien. Donc vous pouvez voir que ce VPN est tout à fait légal. Puisqu'il ça fait bien peut-être plus d'un an qu'il est sur Google Play. Donc c'est un très bon VPN je trouve que j'ai utilisé pendant longtemps jusqu'à ce que je change de portable. Donc voilà. Donc très bon VPN. On va passer à Hola. Hola, comment est-ce? Donc qui est un proxy j'imagine puisque je ne l'ai jamais utilisé donc oui je crois que c'est un proxy et donc qui est utilisé par 20 millions de personnes donc c'est énorme. Je pense que ça devrait être un très bon proxy et donc apparemment avec on peut changer de pays comme changer de chemise. Donc c'est le titre de l'article sur lequel j'ai découvert Ola. Donc c'est pas Ola Ola mais Hola. Donc et donc qui comme pouvez voir fonctionne avec donc Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Android, Windows 8 et Mac. Donc ouais. Il est vraiment bien complet. Et donc, je pense qu'il a l'air vraiment pas mal. Après, j'ai jamais vraiment testé. Et donc, ça, c'est une application. Oula. Je sais pas ce que j'ai. C'est une extension. Oui, donc c'est une extension. Et donc, voilà. Là, on vient de finir. En finissant par Ola. Donc, si on aurait voulu finir par le meilleur à mes goûts, ça aurait été bah Thor. Hein. Thor, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ça vous aura servi. Par la suite, vous aurez plusieurs tutos qui vont suivre. Donc des sûrs qui vont être prévus. Il y en aura un pour utiliser Thor, enfin l'installer et l'utiliser. Et un pour. Pas pour l'appli, pas pour l'extension, mais pour le site Add My Ass. À moins que je fasse que je fasse le tuto pour l'application en même temps du site. Enfin bref, je verrai dans les commentaires de la vidéo si il y a un proxy que vous voulez savoir comment il marche, etc. N'hésitez pas à me demander dans les à me demander à me demander dans les commentaires sur Facebook en privé je pense que je vais lâcher mon Skype alors sur mon Skype donc voilà un petit peu de partout donc sur les réseaux sociaux voilà à vous de vous débrouiller pour me contacter normalement c'est pas bien compliqué de me contacter. Excusez-moi. Donc bah j'espère que je vous aurai aidé, que je vous aurai fait envie de proxy, de VPN, de nouveaux moteurs de recherche. Parce que si à la base j'ai fait cette vidéo,
C'est que franchement le monde aujourd'hui est surveillé par tout le monde et tout le monde est surveillé donc même toi oui toi qui m'écoutes voilà c'est ça pourrait vous servir et donc dans un prochain tuto je vous montrerai comment supprimer vos traces. Donc en utilisant un VPN ou un proxy, bloquer les mouchards, enfin plein de trucs, je vais pas tout dire parce que sinon ça sert à rien que je fasse le tuto. Donc sachant que j'ai prévu des tutos, donc il y aura un tuto pour... Donc là on est le 25, donc le 30 vous aurez un nouveau tuto. Le 6, vous aurez ce tuto. Le 6, donc 6 plus 7, ça fait... Ouh là là. Pour le 13, vous aurez un tuto pour utiliser Tor. Pour le 20, pour Add My Ass. Et pour le 27, vous l'aurez peut-être pour le 27. Ou enfin voilà, ça se décidera plus tard. Donc, comme vous pouvez voir, tout est prévu. Donc, n'hésitez pas de partager la vidéo sur les réseaux sociaux, de vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo si elle vous a plu, à aller liker la page Facebook, à aller sur Game Hack Community, enfin, voilà, à faire tout ce qui est lié à Kraken Hack. Ça nous fait super plaisir et vous êtes de plus en plus nombreux. Et ça, franchement, on pouvait pas rêver mieux.